Salut les frérots, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Sporting Olympique de Marseille. Victoire de l'OM 2-0, incroyable les gars. Alors je suis désolé, j'ai pas pu faire le débrief de OM Ajaccio. Voilà, j'étais très fatigué, très malade. Donc vite fait pour revenir sur ce match, l'OM n'a pas joué hein, contre Ajaccio. C'était un match très bizarre. On perd notre premier match au Vélodrome. Première défaite de la saison en championnat. Mais j'ai pas senti un OM qui avait envie d'aller chercher la victoire. Voilà, donc c'est pour ça que le match au Sporting, j'étais dans de mauvaises conditions, quoi, mentalement. Mais l'OM a montré ce soir qu'on a un mental d'acier, quoi. Voilà, donc Ajaccio, voilà, désolé, j'ai pas pu faire la vidéo, les gars, je m'en excuse. Voilà, mais ce soir, je suis très content, les gars. Je parle doucement parce que bon, j'ai la famille qui dort, tu as compris. Une petite précision aussi, il y a des bugs en ce moment sur YouTube. Donc des fois je publie ma vidéo, il y a des petits problèmes. Donc si des fois vous n'arrivez pas à voir la vidéo, vous attendez quelques minutes, vous revenez et la vidéo logiquement va marcher. Donc voilà les gars, Sporting Olympique de Marseille, j'ai le sourire, je suis content les gars. Je suis très content, victoire de l'OM 2-0. Donc la compo côté Olympique de Marseille, Paul Lopez, Mbemba, Bailly, Balerdi en défense, Veretout, Rongier au milieu de terrain, Klos, Nuno Tavares sur les côtés et un trio, Harit. Harit, tu as été exceptionnel. Harit, Sanchez et Guendouzi. Voilà, donc une première mi-temps très dominateur côté Olympique de Marseille. Voilà, on est dans le match, on est supérieur à eux d'entrée en tribune et sur le terrain. Je tiens à féliciter les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont fait le déplacement ce soir au Sporting. Vous avez été énormes les supporters. Voilà, fiers, tu vois. Vous avez été énormes, on n'entendait que vous. Voilà, donc bravo aux supporters olympiens ce soir. Donc voilà, première mi-temps dominée de la part de l'Olympique de Marseille. Et tu marques rapidement à la 20e minute hein, ce penalty de Guendouzi à Harit. Qui fait un effort de fou, il va chercher le ballon dans la surface, il s'arrache comme un chien et il obtient le penalty. Voilà, Gerson ou Payet, cette action-là, ils n'arrivent pas à la prendre. Harit, c'est sa vitesse, sa détermination qui fait que tu arrives à obtenir ce penalty. Bravo Amine Harit pour ton match. Voilà, je t'aime, voilà, je m'en bats les couilles. Je t'aime Amine Harit, tu m'as régalé. Tu m'as régalé, voilà, tu as été énorme, bravo Mino, bravo pour ton match. Donc voilà, Guendouzi qui tire sur le côté gauche, le gardien qui a bien plongé, donc il aurait pu la sortir. Penalty très bien transformé et réussi par Matteo Guendouzi, ça fait 1-0 pour l'OM. Donc on est bien, tu vois, on est bien, tu vois, on démarre bien ce match, quoi. 20e minute, tu mènes 1-0, c'est très très bien. Et tu mets ce deuxième but, Amine Harit, encore lui. Amine Harit dans la surface, passe en retrait pour Alexis Sanchez. Petit pointu là, petit plat du pied tranquille, ça fait 2-0 à la 30e minute. Voilà, alors le Sporting, ils ont eu des cartons rouges. Ouais, ils ont eu deux cartons rouges, mais les fautes, elles y sont, les gars. Les fautes, elles y sont. Le carton rouge, il est mérité, donc tu rentres à la mi-temps 2-0, à 10 contre 11. Je te dis, ça y est, c'est bon. Tu vois, ça y est, c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Et la deuxième mi-temps, ben voilà, je te mets les stats. Hein. Je te mets les stats de la deuxième mi-temps. Ils prennent encore un carton rouge. Ils mettent des coups de. Ils se sont crus dans Tekken 6. Tu as vu le Sporting? Ils étaient là avec les coups de coude tout le long. Donc, ils se prennent un deuxième carton rouge. La deuxième mi-temps, elle est dominée. Elle est gérée de la part de l'Olympique de Marseille. Regarde les stats. Tu as 67% de possession pour l'OM, 10 tirs, 7 cadrés, 10 tirs, 7 cadrés en deuxième mi-temps. Donc voilà, l'OM pour moi, la deuxième mi-temps, tu mènes 2-0, tu as 9 contre 11. Les cartons rouges, ils sont mérités. Commencez pas à dire, ouais, mais ils sont à 9, on s'en bat les couilles. Ils sont à 9 parce que les rouges, ils sont mérités. D'accord les gars? Donc voilà, vous pouvez voir les images, les fautes elles y sont et l'arbitre il a été gentil. Hein. Il y a plein de fautes qu'on a fait sur les joueurs de l'OM encore une fois ce soir, que l'arbitre il s'est dit, je les ai déjà bien sanctionnés, je ne vais pas continuer. Hein. Mais il y avait beaucoup d'énormes fautes pour le Sporting. Hein.
Mais voilà. Donc pour moi, l'OM, la deuxième mi-temps, au début, j'appelais mon collègue, dédicace à Saïd, il se reconnaîtra. Mais moi, je lui dis, putain, pourquoi on met pas plus de buts et tout? Et il m'a donné une bonne réflexion. Je vais le dire dans la vidéo parce que tu as raison. Il m'a dit, Franck, dimanche, tu as le classico. Ça sert à rien de gagner 3, 4, 5, 6, 7-0, s'épuiser. Gère ton match. Et tu es en forme pour le classico. Et c'est vrai, il m'a convaincu. Je pense que l'OM a fait ça en deuxième mi-temps, même s'ils ont cherché avec Under, etc., de belles frappes. Mais on voit l'OM, en fait, pour moi, ils ont géré la deuxième mi-temps tranquille. Ça faisait les passe-passe. On tournait autour de leur bloc. Voilà, on a tenté quelques frappes, quelques centres. Oui, c'est vrai. Mais voilà, j'ai surtout senti l'OM en deuxième mi-temps qui gère, en fait. Voilà, ils veulent pas s'épuiser. Et franchement, en vrai, d'un côté, ils ont raison, les gars. Donc voilà, je tiens à féliciter les joueurs de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur Igor Tudor, les supporters. Vous avez été énormes ce soir, énormes. On était au Vélodrome. On était au Vélodrome, les gars. C'était incroyable. J'ai dit, c'est pas possible. On les a éteints. Tu les voyais au début du match, les supporters du Sporting Show. Boum, on les a éteints. On les a éteints sur le terrain et dans les tribunes. Mais bravo les gars, franchement bravo, bravo. Perdre contre Ajaccio au Vélodrome, ça nous a rendu fous. Après, j'étais pas trop énervé parce que c'est la première défaite de la saison en championnat. Mais après, c'est vrai, on n'a pas le droit de perdre contre Ajaccio au Vélodrome. Donc c'est pour ça ce soir, on attendait une réaction et vous l'avez fait les gars. Vous l'avez fait. Aucune équipe française, je crois, si je dis pas de conneries là, mais aucune équipe française a gagné au Portugal. On est les seuls. Avoir gagné au Portugal. Dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises, mais il me semble que j'ai vu cette stat passer. Voilà. Il y a des équipes françaises, ils gagnent pas au Portugal. Tu l'as vu, Paris et tout, Benfica. Toi, voilà, tu as le Sporting. Tout le monde au début, ouais, Sporting premier, l'équipe faible. Même moi, je le disais, mais voilà. Dans les deux matchs, comme il a dit Amin Harit à la fin du match, dans les deux matchs, on était supérieur au Sporting. C'est tout. Il y a aucun débat. Il n'y a aucun débat et je suis très content parce que enfin l'OM gagne des matchs en Ligue des Champions. Ça te fait déjà deux victoires. Je suis très content. On regarde le classement. Alors qu'on était dernier, tu te retrouves deuxième. Tottenham, bon, qui a battu Francfort 3-2, c'était chaud. Au passage, si Tottenham-Francfort, il faisait nul, tu étais premier de ta poule. Incroyable comme c'est le football, hein, les gars. Mais voilà, Tottenham premier, 7 points. Deuxième l'OM, 6 points. Troisième Sporting, 6 points. Quatrième Francfort, 4 points. Là, ton prochain match en Ligue des Champions, tu joues à Francfort. Tu joues à Francfort ton prochain match. C'est une finale. En gros, tu gagnes un match sur deux, tu es qualifié. Tottenham au Vélodrome, ça va être chaud, on le sait. Tottenham, je ne suis pas très confiant, mais bon, on ne sait jamais avec l'OM, hein, on est capable. Mais voilà, Francfort, franchement, c'est la finale, les gars. Tu gagnes à Francfort, tu es qualifié. Tu gagnes à Francfort, tu es qualifié. Moi, je préfère perdre en huitième de finale de Ligue des Champions que perdre en quart de finale d'Europa League. Hein. Excusez-moi, les gars. C'est plus prestigieux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, l'OM se relance à la qualification. C'est ce que je vais mettre en titre. Hein. L'OM se relance à la qualification. Et avec la manière. Voilà. Non, franchement, ce soir, les gars, tous bons. Hein. Même Balerdi, hein, tu as été catastrophique contre Ajaccio. Là, ce soir, tu as fait un bon match. Mbemba, tu as été énorme, Mbemba. Mbemba, tu as été énorme, c'est sérénité. Sérénité avec Mbemba. Voilà. Bailly aussi, tu as fait un bon match. Rongier, premier ballon que tu touches, tu fais une erreur technique, je commence à m'énerver. Après, tu t'es rentré dans le match. Tu as fait un bon match. Veretout, ce soir, oui, j'ai aimé Jordan Veretout. Vous savez, j'attends un peu plus de lui. Mais là, ce soir, oui. Ce soir, Veretout, bonhomme, tu as fait un bon match. Nuno Tavares, il m'a fait rire, hein, parce que tu sais, c'était un peu chaud avec l'entraîneur du Sporting et tout, donc quand il touchait le ballon, ça le sifflait. Et à un moment, pas il énervé, mais tu as compris, il se croit au quartier. Voilà, quand il fait ses petits dribbles, tout ça, voilà, ça m'a fait rire. Nuno Tavares, t'as fait un bon match, Clauss aussi, qui revient de blessure, et là, voilà, il a été important ce soir. Guendouzi, patron, franchement, Guendouzi, t'es le patron. Alexis Sanchez, tu as marqué, tu as pressé, tu as demandé les ballons à la 90e minute. 90e minute, tu as Alexis Sanchez qui va presser. Il a 33 ans. Chaque fois, il y en a un commentaire, il m'a dit arrête de le vieillir à Sanchez. Je crois qu'il a 33 ou 34 ans.
90e minute, il va presser encore comme un chien. Mais bravo Alexis Sanchez, l'hygiène de vie que tu as, la mentalité que tu as, frérot. Franchement, Alexis Sanchez, bonhomme, tu as marqué, tu as été très bon ce soir. Voilà, et Amin Harit, je vais faire un petit passage là sur lui. Mais Amin Harit, franchement, vous le savez, depuis le début de la saison, je vous le dis, Amin Harit, moi, c'est mon petit chouchou. Tu vois qu'il a du ballon, qu'il a cette technicité, cette vivacité, cette intelligence de jeu. Amin Harit, ce sont les deux buts, ils sont pour lui. Hein. C'est lui qui obtient le penalty, c'est lui qui fait la passe décisive à Sanchez. Il est dans tous les meilleurs coups. Amin Harit a été énorme. Si tu regardes cette vidéo par hasard, si tu tombes dessus, ce soir, tu m'as fait presque devenir amoureux de toi, à la vie de ma mère, je te jure. T'inquiète pas, hein, je suis marié, j'ai des enfants. Là, je rigole. Mais franchement, Amin Harit, ce soir, tu as été énorme. Tu as été énorme, Amin Harit, ce soir. Tu t'es régalé, tu m'as régalé, tu as régalé des supporters. Bravo, Amin Harit, pour ton match. Voilà. Et ce soir, on a vu aussi, bon, Payet, il est rentré tranquillement, tout ça. Mais ce soir, on a vu que dans ce trio-là, Sanchez, Guendouzi, tout ça, Harit. Tu as vu que Harit, pour moi, dans les grands matchs, alors oui, des fois, il faut faire reposer les joueurs et tout, mais Amin Harit ne doit plus sortir du 11 dans les grands matchs où on a besoin de mettre les meilleurs sur le terrain. Amin Harit, il doit enchaîner les matchs. C'est vraiment un joueur de talent. Et c'est un joueur qui a vraiment du talent. Voilà. Donc, bravo Amin Harit. Bravo Mino. Voilà. Maintenant, on y vient vite fait. Alors, je ferai une vidéo d'avant-match. Hein. PSG Olympique de Marseille, le classico dimanche. Avec peut-être un pari diminué, on verra si Mbappé. Bon, déjà, il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Nuno Mendes. On a vu qu'Mbappé a pris un coup à la cheville contre Benfica. Et Messi est un peu diminué, donc on verra dans quel état le PSG va nous affronter. Mais je ferai une vidéo d'avant-match, voilà, pour débattre un peu sur ça. Et c'est vrai qu'on arrive à Paris dimanche avec le mental gonflé à bloc, tu vois. Après, c'est pas scandaleux, les gars. Ça sera pas scandaleux si on perd à Paris. Voilà, on le sait qu'ils sont plus forts que nous. Mais voilà, moi j'ai confiance en l'OM. Je sais qu'on peut faire quelque chose. Il faut exactement que vous jouez comme vous avez fait là au Sporting. Rentrez dedans. Rentrer dedans, presser, qu'on en prenne deux ou trois, et c'est Paris, on le sait. Mais presser, jouer, donnez-vous à fond comme vous avez fait ce soir, les gars. Voilà, donc je me languis vraiment dimanche du classico, voilà. Enfin, on aura un classico, je crois qu'on a 3 points d'écart. Putain, dommage que tu perds contre Ajaccio, en vrai. Mais voilà, tu aurais un classico avec de l'enjeu. Enfin, tu vois, ça faisait longtemps qu'on va pas avoir un classico avec de l'enjeu. Et ça me fait plaisir, voilà. Mais bon, on a le temps. Chaque chose dans son temps, savourons ce soir cette victoire de l'OM qui fait plaisir. Et enfin, l'OM marque des points en Ligue des Champions, on a 6 points. Et Francfort, tu perds le match sur une erreur technique de Rongier dans la surface. Sinon, tu en as 7 en vrai. En vrai, tu as 7 points. Francfort, tu dois faire le nul. Mais bon, avec les 6, on peut tout faire, malheureusement, les gars. Mais voilà, Francfort, tu ne devais pas le perdre aussi. Mais voilà, on se relance, on se remet bien. On prend 6 points. Et même si on ne se qualifie pas, ou que on pourra dire au moins l'OM, ils auront marqué des points en Ligue des Champions. Et on ne fait pas cette enculerie de 0 points. Donc, déjà, moi, sur ça. Je suis déjà un peu mieux mentalement, les gars. Voilà. Donc, bravo. Bravo aux joueurs. Bravo à l'Olympique de Marseille. Voilà, les gars. Je vous mets, avant de terminer ma vidéo, mon site, mon partenariat que je remercie, mayogo.com. Voilà, si vous voulez des maillots, des survêtements, il y a toutes les tailles, il y a toutes les ligues, il y a tous les nations, les maillots de la Coupe du Monde. Voilà, vous mettez le code promo Franky, FRANCKI. Et vous avez moins 10% ou moins 15%, je ne sais plus, de réduction sur votre commande. Voilà, donc n'hésitez pas les gars, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Et voilà la famille, mais je vais bien dormir là, je suis fatigué. Je voulais faire la vidéo demain, mais j'ai dit, tu sais quoi, j'ai manqué Ajaccio. Et même pour vous, je me dois d'être là. Et voilà les gars, ce soir je suis content, je vais dormir bien. Et bravo aux joueurs, voilà, bravo aux joueurs, bravo aux supporters. Je le répète, mais bravo aux supporters ce soir. Vous avez éteint les supporters du Sporting, vous les avez éteints. Voilà, bravo les gars. Bravo aux supporters, bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur. Et voilà, Amin Harit, tu es le sang, tu es le sang, Amin Harit. Tu m'as régalé ce soir. Ben Arfa en droitier. Ben Arfa en droitier. Voilà, tu as une technicité en toi.
Si tu arrives à être un peu plus fort dans la finition, dans tes derniers gestes et tout, tu peux devenir vraiment un joueur important de l'Olympique de Marseille sur plusieurs années. Voilà, ouais, je le dis. Je vous le dis. Option d'achat automatique de 5 millions d'euros. C'est pas cadeau. Un joueur à 5 millions d'euros de ce talent, mais c'est cadeau, les gars. C'est cadeau. Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Je suis content, hein. Je suis content, les gars. Je vais bien dormir, mais ça fait plaisir. Mais on ne s'enflamme pas. Ok, les gars? On ne s'enflamme pas. C'est bien ce qu'on fait, mais on ne s'enflamme pas. Il reste deux matchs. Voilà, il faut en gagner un sur deux. Ou au pire des cas, faire nul à Francfort, mais pas perdre contre Tottenham chez toi aussi. Donc voilà, on n'est pas encore qualifié, mais on se relance. C'est déjà bien. On n'est pas mort. On n'est pas mort, on reste debout. On y croit, les gars. Voilà, allez, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Supporter de l'OM jusqu'à la mort. Voilà, c'est comme ça. Ça sera comme ça. Personnellement, jusqu'à la fin de mes jours, ça sera comme ça. Allez, ciao, ciao, la famille. Bonne soirée. Portez-vous bien. Reposez-vous bien. Dormez bien. Et on se donne rendez-vous pour un avant-match. Peut-être vendredi, je ferai un avant-match. On verra. Mais voilà, savourons. Chaque chose en son temps. Ciao, ciao, la famille.